bien, bonjour à tous, bienvenue, quatrième épisode de Genopanic. On est reparti, ça on l'avait lu, ah oui, la glace. Donc a priori, on va chercher le pistolet à glace. Ah ok, allez, on passe par là. On est reparti. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. On avait chopé tout plein de choses. On a le double saut, on a le dash, on a tout ce qu'il faut. On est bien. On est bien, on est bien. Ok. Bon, eh bien, écoutez, avançons. On avance plutôt bien. T'as vu, je l'avais raté. Ok. Alors, comment je passe? Il n'y a pas un truc caché, non? Ok, ça, c'est tout bon. C'est facile. Là, j'imagine qu'il va falloir le prendre. Pour bloquer le rayon. Voilà. Ouh. Et. On fait comme on a dit. Et ça avance bien. Ah mais maintenant je suis en dessous. Très bien. Ok, pas mal. Ah merde. Ah non, on repart super loin. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Alors je me souviens plus. Ah bah oui, il y avait lui forcément. De toute façon c'est du one shot. Donc, c'est pas très grave si on se fait toucher. Ah ouais. Ah ouais, là j'ai trop avancé. J'ai trop avancé. Il y a beaucoup d'erreurs d'inattention. On va pas... Allez, on se reconcentre. Allez, celui-ci, cette fois-ci, on y arrive. Donc on était passé la première fois. Hein. On était passé. Ah mais j'avais pas vu. Il y a des petits grillages. Oh, je viens d'y faire gaffe. Je prends plus de risques maintenant. Et... Très bien. Chaleureuse salutation, je voulais caresser un chien au vieux flamboyant, mais il s'est enfui éparpillant des étincelles et laissant des traces de feu. Pourquoi ne pas enfermer vos OGM? Je pourrais me brûler. Ouh. Oh, parfois je les vois pas. Ok, très bien, donc à mon avis, il y a un petit point de save, voilà, exactement. Comme à chaque fois après les tableaux. Alors, on avance où? Ah, on se rapproche, on se rapproche. Il va encore falloir faire un détour... détour infernal. Il n'y a pas besoin... Si, il y avait besoin de sauter. Normalement, il y en a deux. Il n'y en avait qu'une. Ouh, je l'avais pas vu. Laissons-le aller tout au bout, histoire qu'il explose loin. Pareil pour lui. Ok, parfait. Ah, on va avoir un truc. Ah, sûrement le pistolet de glace qui va nous permettre de passer. Ah, mais je suis nul. Je suis nul. Non, je suis trop près. Non, c'est bon. Ouf. Du coup, pistolet à aimant. Des coups de dash.
Voilà, il n'y a rien à faire à part passer. Et on se garde. Et on récupère le pistolet à glace, j'imagine. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. C'est un pistolet à glace, tu deviens plus cool. Et on devient plus cool. C'est celui-ci, non? Ok, ça fait fondre... Ça fait fondre la glace, c'est parfait. Et ils m'ont touché? Qu'est-ce qui me touche? Ah, on dash trop loin, mais c'est pas... Pas ouf, ça. Je sais pas ce qui m'a touché tout à l'heure. Hein. Ouais. Pourquoi je me suis fait toucher tout à l'heure? J'ai pas compris. En tous les cas. Ah, c'est le chien de feu. Oh non, ça dash trop loin. C'est un enfer, ça. J'aurais eu du mal à appréhender la longueur du dash. Je rentre où je veux. Ok. Et là... Ah, on peut aller de là. On peut aller soit de là. Bah ouais, on va aller chercher le Pokémon. Hein. Marquis, ils explosent pas du coup. Ah ouais. Ça, c'est pour repartir. Ah mais non, parce que là... Bêtement, moi je croyais qu'il y a qu'un canon à glace. On glaçait. Mais bah non, c'est pas aussi simple. Ah, c'est pour faire ça? Ok. Simplement. Il n'y a pas de passage là? Dark Star. Étonnant ça, mais ah oui, mais si j'en ai besoin, pour celui-là. D'accord, d'accord. On a quoi ça sert là, bah, voilà. À la réponse. Ouais, c'est là. Ok. Ok, ok. Donc on arrive vers le Pokémon. Pourquoi j'ai couru? Quel idiot. Ouais. Bon, j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien. Si tout va bien, on va prendre notre temps. En même temps, on n'a pas rendez-vous, on n'a rien à faire. Donc, prenons notre temps. Hop. Excusez-moi.
Donc ça servira à passer. Parfait. On va esquiver les boules de feu. Ok, excellent. On doit pas être loin là du Pokémon. À force. Par contre, le dash, les longueurs dessous. Allez, il est là-bas. C'est fou, mais j'aime ça. Et voilà, on l'a attrapé. Mais normalement, ça nous en fait 4, mais j'ai... Ouais. 4 sur 6. Petit chien à 6 chevaux. Ah oui, c'est pas le bon flingue. Mais il saute! Pourquoi il a pas d'achi... Ah, j'avais plus de... Oh putain. J'avais plus d'énergie, évidemment. Et donc là, ça y est, on le chope. Du dash magnifique, donc du coup j'en ai 4 ou pas? Non, j'en ai que 3. Non, j'en ai récupéré 4. Ouais, il y en a un qui a bugué. J'espère que ça va pas faire bugger tout le jeu parce que ça pourrait être dommage. C'est pareil, ça, on en a eu au moins 10 des ennemis. Bon, c'est pas grave. Ben ouais, c'est bon. Ah, ça me sert bien à quelque chose, mais soit. Ah oui, bah là on pouvait pas passer. Et ben maintenant on peut. Ok. Depuis combien de temps les représentants de la sécurité au travail nous ont-ils rendu visite? Nous, notre prétendu lieu de travail ressemble plus à un décor pour un clip de groupe de heavy metal. J'ai l'impression. Le mieux, ça serait de pouvoir aller par là. Mais, a priori, n'est point possible. Il va falloir faire tout. Comme d'habitude. Ça servait bien à rien. Ok. On a vu. Mais on n'est pas revenu là où on était? Pas du tout. Oh putain. Ah, il m'a explosé. On l'a vu que bien trop tard. J'en ai vu un autre en haut tout à l'heure. Ouais, c'est ça.
Encore des rapports. Pourquoi Volga ressemble-t-elle à cela? J'aime les animés, donc lorsque je travaillais sur l'intelligence artificielle de la station, j'ai décidé de lui donner une silhouette parfaite et des oreilles. Très bien. Ça va, ça se recharge assez vite. Zéro risque, hein, moi je vous le dis. Oh le salaud! Ah, quand même. Forcément, c'est... Ah oui. Ça servait à rien d'autre. Et... Je sais pas trop comment je suis passé, mais on est passé. J'ai pas trop calculé, j'avoue. Il y a le point de save de partout, là. On va pas se plaindre. Oula. Et... Ah, il fallait que je passe entre les deux. Ah, forcément. Forcément, faut passer entre les deux. Un grand classique. Me fait toujours bien rager. Voilà. Et on est passé. Ok, parfait. Alors, l'enregistrement 1703, je ne sais pas ce qui se passe. D'abord, il y a eu des rapports d'explosion dans le réacteur, puis des attaques contre les employés, quels que soient nos ennemis. Ils sont armés et dangereux, restez vigilants. C'est Bartholomew, du service de sécurité. Mais tous ces noms-là, ça me dit quelque chose, les Bartholomew, les trucs que j'ai déjà entendus. On s'est mangé un petit truc. Ça, c'était gratuit. On l'a pas attrapé, lui? Ah non, mais c'est pas le même. C'est pas le chien de feu, ça. Pas Fenard. Oh, les sisters. On arrive au boss. Ok, un de moins. Oh, c'est juste des ennemis, hein. Et... Oh, la musique, c'est la première fois du jeu qu'elle est vraiment bien. Elle est éteinte, j'ai envie de dire.
utiliser. Ok. Le pistolet à flamme, ça marche aussi. Ah bah tout de suite, t'as une meilleure ambiance. Avec notre extincteur, là, on y va bien. Ok, il y a beaucoup d'ennemis, là, dans cette zone. Et on est où, là? Ok, on sort de la zone, tranquille. J'ai pas vu des trucs tomber du ciel. Ouais, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me fais couiller, moi. Bon, on l'a vu. Il était temps. Elle était pas digne de manier ce marteau. Et nous, on est mieux digne. J'ai eu peur qu'il y ait des boules qui tombent du ciel. Allez, cette grosse douille. Allez, le collecteur fait partie du système d'égout de la station. Ah, les fameux. Il peut être utilisé comme parc aquatique. Oh non. Oh non, j'espère pas. Oh putain. Oh, quelle angoisse. Oh non. Oh, je peux plus. Je peux plus tirer, j'ai plus de... Oh non, quel enfer. Oh, mettez-le en premier niveau du jeu, s'il vous plaît, ça. On va réussir à sauvegarder. Donc on est là, j'espère qu'elle est pas grande la zone. Elle est immense. Elle est immense. Il y a toujours l'autre qu'on a raté là-haut. Hein. On a complètement raté. Mais lui, je sais pas comment on va y retourner. On peut les shooter, eux. Ouais, solide hein, quand même. Ouais, c'est moins solide avec un hein, avec l'épée. Voilà. Oh, j'en peux déjà plus. J'en peux déjà plus. Ah, les niveaux aquatiques, je déteste ça.
Ah, c'est un Pokémon grenouille. Essayez de coincer, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas double sauter. Ouais, non. On récupère ça là-bas. T'inquiète pas, je vais m'occuper de la grenouille. Voilà, merci. Je pensais que c'était un poteau, moi. Il y a un truc à faire, là. On a pas coupé l'eau, en plus. On a juste ouvert... Je me suis mangé, là. Les petits pics ? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, ça a ouvert ça. Et on s'est mangé les petits pics. Ah, t'es obligé, hein. Bah, ils font faire l'aller-retour. Dans tous les cas. Simple, c'est par là en fait. Et je peux pas passer là. Il fallait passer. Assez bizarrement fait là, leur histoire. Ok. Tu ne sais rien, vous ne savez rien sur Krista. C'est bien plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue. N'est-ce pas incroyable qu'une créature de glace puisse éternuer? Et si elle éternue particulièrement fort, elle peut se téléporter à un endroit aléatoire. Ah. Ça pourrait être sympa plus tard. Si on débloque la téléportation. Ah, zéro risque. Allez, ça c'est fait. Le maxi relou. Retenez au-dessus. On n'a pas de barre de... pour le... la respiration, donc c'est plutôt bien déjà. Ça me va. Je mets là. Le but c'est que t'es qu'on aille pas là quoi, j'imagine. Mais on y est quand même allé. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Il manque quelque chose, où est la vanne? Ah, du coup, faut qu'on aille chercher la vanne. C'est pas la vanne. Eh oui, mais la vanne, du coup, elle ouvre ici. Mais non, elle est là, la vanne. Très important, la vanne.
permet de passer. Ouais. Ah, mais la vanne, elle est là-bas. J'avais point vu. Ouais, donc du coup là. Allez, putain, je voulais sauvegarder. Ah. Tant pis. On y croit. On se sent fort. Parce que j'ai ouvert, mais je l'ai ouvert. Et il a sauté tout seul. Ah mais t'es collé dans ce sol là. Je crois que je viens de comprendre. Ok, je ne survivrai pas, mais je dois dire la vérité. Nous sommes les seuls responsables de ce qui s'est passé à la station. Lorsque nous avons découvert le liquide noir, nous nous sommes laissés emporter par les expériences et l'avons contraint à se défendre. Tout ce qui nous est arrivé était une expiation pour notre curiosité. Je suis désolé. Ok, ok. Donc, par ici la sortie. Très bien. Alors, est-ce qu'on avance encore un petit peu? Ouais, on va essayer d'aller au bout de ce couloir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des trucs en haut, non? C'est vrai qu'on peut y aller. Il n'y a rien du tout. Je me demande si on n'a pas eu un peu de chance. Hein. Par au-dessus, on fera tourner l'ascenseur, j'imagine. Faire une vanne à tourner, remettre de l'eau. Superbe. J'imagine que s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison. Non. J'imagine. Ah oui, ça doit être pour passer. Tout. Et très bien. On alterne la lave, l'eau. Un coup de dash et c'est bon. Ok, très bien. Très très bien. C'est traversé. C'est traversé doucement. Hein. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Alors la porte est fermée, il faut qu'on trouve un moyen de l'ouvrir. On abandonne et on se noie. Non mais non. Oh non. Comment te dire? Pas du tout l'ami. Ça va, la vanne là c'est pas trop chiant. Ah mais non, c'est par là. Ok, maintenant c'est assez haut. Oh. Ouais. Si vous voulez. Et ça a égalisé le niveau. Et maintenant, donc, je peux passer. Très bien.
Bon bah écoutez. Est-ce qu'on continue un petit peu? Allez, on peut aller jusqu'au point de sauvegarde suivant. Lui est solide, lui. Pas mourir. Ah, ça intervertissait. Un, deux. Ah ouais, après ils disparaissent les deux. Ok. Ouais. Y'a rien à faire de plus. Ah, pourquoi moins d'activer ça là. Ah bah c'est là. Ah. Merci. Ok. Bon ça va, le jeu est pas ultra difficile. L'homme amphibie. Aujourd'hui, j'ai été piqué par une grenouille venimeuse. Je me demande quel super pouvoir je vais avoir. J'espère pouvoir respirer sous l'eau. Ah, c'est le plaisir. Attendez, parce que là. Ah, mais ce gros nul. Allez, on va aller jusqu'au prochain. Et on s'arrêtera à ce moment-là. En fait, on avance par petits tableaux. On résout des puzzles qui en sont pas vraiment non plus, mais. Ça servait de le faire descendre à rien. On est d'accord. On est d'accord. Alors, ouais, on peut aller tout en bas comme ça. On dira qu'on a fait la moitié. On a fait une bonne moitié de la zone. Allez, un dernier petit puzzle pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont encore trouvé? Ah merde, lui, je l'avais pas vu du tout. Pour le coup, lui, je l'avais vraiment pas vu. Il veut pas y aller? Si, quand même. Pas à trouver, j'imagine. Très bien. Alors, est-ce que ça va enlever l'eau ou juste ouvrir la porte? Et on l'a mis là, la vanne? Compris. En tous les cas, elle est partie. Ah non, la vanne, elle allait là. Ah ouais, mais du coup, elle est où, la vanne? Ah ouais, je la lâche, elle remonte tout en haut. Quand tu la lâches. Là, faut pas perdre de point de vie. Là. Je perdre un point de vie signifierait les ennuis. Parfait. Allez! Ça doit enlever l'eau, je pense, pour qu'on puisse passer la porte. Ça. Magnifique. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. On est pas mal. On avance. On avance. Il nous manque 2 OGM. On a fait la moitié du jeu. 4 épisodes. Ce que je vous avais dit, on va en faire 5-6. Ah bah tiens, vous voyez, ils disparaissent de l'inventaire. Je sais pas pourquoi. C'est assez étonnant ça.
Assez étonnant. Bon, écoutez, on avance. Comme on en est de nos trucs. 4 sur 6. Ça, on en a fait une douzaine, je sais plus. Pas sûr qu'on les aura tous. Je sais pas si ça va pas bugger un petit peu. Et rapport collecte, 3 sur 5. Ouais, je pense qu'il y a des trucs qui ont bugué un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, un petit jeu sympathique. Pas prise de tête, quoi. Vraiment. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on se revoit très vite pour la suite. D'ici là, bah, soyez sages, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.